Yo, salut les amis, c'est Maître, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien surtout. Alors aujourd'hui, on se retrouve, à la base, c'était juste pour faire un test de la protéine de chez Action. Il faut savoir qu'à Action, ils font pas mal de produits sportifs et des produits, des compléments alimentaires. J'avais acheté déjà des Oméga 3 et en fait, je voulais tester la protéine. Donc on fera le test en fin de vidéo de la protéine de chez Action. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant leur présenter tout ce que tu as acheté cette semaine-là. Cette semaine, j'ai acheté plein de trucs pour mon changement physique. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je vous invite à regarder juste en haut à droite. Là, je mettrai la vidéo où j'explique mon objectif. Donc voilà. Avant toute chose, je voulais, comment dire, un coup de gueule. Un coup de gueule. J'aime bien râler, un coup de gueule par rapport à Kinder. Kinder! Pile poil quand je commence mon régime, vous avez décidé de ressortir les Kinder Délices goût coco. Vous le faites exprès ou quoi? Moi j'étais dans l'obligation de l'acheter. Bon, maintenant, quand je vais le manger, je sais pas les gars, je sais pas du tout. Est-ce que c'est une série limitée? Je sais pas. Est-ce qu'il est de retour pour de bon? Je sais pas. J'espère que mon coach ne va pas voir cette vidéo. Si j'en prends un, je pense que je vais le contacter. Je vais lui dire, écoute, en pré-workout, juste avant le truc, avant de faire un footing, tu vois, histoire d'avoir un peu de jus, ou avant une grosse session de sport, je pense que je vais en reprendre un, je vais goûter un. J'en ai acheté deux paquets, mais c'est pas pour moi, bien entendu. Hein. J'ai un petit sourire, mais c'est pas pour moi, je vous jure. Il y en a un qui a été ouvert et les enfants, eh ben, ils ont goûté. Et en fait, la noix de coco, elle est plus dessus. Elle est plus dessus. Il y a une sorte de gelée, de pâte gelée, mais de crème coco à l'intérieur. Et les pépites de coco, là, elles sont à l'intérieur aussi. Donc, ils ont un peu changé. J'aimais bien, moi, à l'époque, quand la coco, elle était dessus, et que tu croquais, tu sentais les petits bouts de coco dans la bouche. Je peux pas vous dire maintenant, parce que j'ai pas goûté, et je vous jure, c'est vrai, j'ai pas goûté encore. Mais je compte goûter quand, je sais pas. Mais voilà. Donc, le Kinder Delice est de retour. Coco, donc pour les fans, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, le premier, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui fait ça. Donc n'hésitez pas à aller checker vos rayons. Il est arrivé depuis pas longtemps. Voilà. Donc les amis, on va commencer avec tout ce que j'ai acheté cette semaine. Et je vais vous expliquer un peu le rôle de chaque complément alimentaire que j'ai acheté. Et tout ce que je prends là, c'est mon coach qui me l'a conseillé, d'accord? Après, comme toujours, je le dis tout le temps, les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires, mais je veux dire, ils sont grandement conseillés. Oui et non, mais voilà, je veux dire, c'est non seulement c'est la facilité, mais je pense que voilà, ça permet de mieux gérer la diète. On va dire ça comme ça, les amis. Donc voilà. Donc on va commencer par les trucs les plus gros, comme ça sera fait. Donc j'ai acheté donc des flocons d'avoine en farine de la marque Life Pro. Donc c'est goût croissant les amis, et franchement il va super bien. Ce que je fais, je prends ça avec un peu d'eau, je le mélange et je me fais des petites crêpes le matin. Enfin, des petites crêpes, c'est tout mesuré, mais je vais pas vous dire exactement combien j'en fais. Mais en principe, faut que je calcule le blanc d'œuf ou ce que je prends. Et ensuite, après, j'ai par exemple 80 grammes de framboise en termes d'antioxydants, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc j'ai pris ça. Goût croissant. Et franchement, il va super bien. Et voilà. Ensuite, je vous mettrai aussi dans la description la boutique où vous pouvez les acheter. Avec le code JOHN10, vous allez avoir moins 10%. Donc voilà. Moi, je n'ai pas encore mon code promo, les amis. J'espère que j'en aurai un jour. Pour le moment, je n'ai pas de code promo. Mais si vous voulez profiter de tous les produits que je vais vous présenter, vous avez dans la description le site exact. Il sera dans la description. C'est Fitness Nutrition 42. Donc voilà, tout est dans la description. Vous mettez le code JUM10 et vous aurez moins 10% sur votre commande. D'accord? Donc on a fait les flocons d'avoine. C'est de la farine d'avoine. Donc ensuite les amis, on va passer. Donc je vais vous présenter les Oméga 3 que j'ai acheté par contre chez Action. Ça fait un moment que je l'ai, qu'elle traînait. Et ils sont encore valables. Du coup, voilà, je prends cela. Vous devez connaître la boîte chez Action. Voilà. Ensuite, les amis,
J'ai acheté du blanc d'œuf. Donc, nutrition protéine, c'est blanc d'œuf, c'est l'équivalent de. Il y a 1 kilo. Donc, c'est l'équivalent de 30 œufs. Ça coûte 5-6 euros. Donc, ça va très bien. C'est bien liquide. Après, j'ai pas essayé d'omelette avec. Je les mélange directement avec les flocons d'avoine pour faire mes galettes et ça va super bien. Donc, voilà. Hop. Ensuite, nous allons passer à la caséine. La caséine, c'est super important. De la prendre avant de dormir, c'est de la protéine, on va dire, lente, qui se diffuse plus lentement que la whey ou que l'iso. Et franchement, celle-là, elle est juste magnifique. Je voulais signaler un petit truc là, les amis. Les produits Eric Favre, c'est de la tuerie. Franchement, ils se sont vraiment améliorés au niveau du goût. Les autres, je connais pas du tout, mais franchement, celle-là, elle est magnifique, les gars. Et franchement, vous me connaissez, je suis très difficile en goût. Je peux vous garantir que celle-là, c'est du top. Donc voilà. Caséine avec du collagène, non, zéro collagène, zéro aspartame. Donc là, il y a 25 shakers, c'est saveur cookie crème. Et franchement, c'est magnifique. La texture, elle est super bonne. Le goût, il n'est pas trop fort. C'est super agréable. Il y a des BCA, il y a de la glutamine, il y a presque pas de sucre. Donc franchement, je vous la conseille énormément. Pareil, chez Fitness Nutrition, vous trouverez les produits. Ensuite, nous allons passer à la glutamine la glutamasse powder. Donc pareil, je la mets, moi quand je mets mon shaker prot, je mets la gluta plus ma prot, tu mélanges et tu la sens même pas, il n'y a pas de goût. Donc franchement, c'est super pratique. Voilà. Après c'est Yamamoto la marque. Donc j'ai pris toute la même marque. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc j'ai la glutamine les gars, c'est hyper important. Ensuite, j'ai pris la ZMA Pro. Donc à chaque fois, t'as 120 gélules, là, t'en as pour 2 mois. Donc j'ai pris de la ZMA Pro. Donc la ZMA, c'est quoi déjà? Si je ne m'abuse. Voilà, c'est le zinc, le magnésium et la vitamine B6. Voilà, donc tu prends 3 capsules et t'as ton apport en zinc, magnésium, c'est super important, surtout quand tu manges vraiment toujours la même chose. Donc c'est hyper important aussi. Donc ensuite, les amis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté la berbérine. La berbérine, c'est quoi? C'est marqué berbérina, mais c'est la berbérine. Donc je ne sais pas si vous connaissez, les amis. La berbérine, je vais vous donner les 4 atouts principaux de la berbérine. C'est l'abaissement notable de la glycémie. Donc c'est hyper important. La réduction du niveau d'hémoglobine glyquée, donc là il faudra demander à des spécialistes, le rééquilibrage des taux circulants d'insuline, donc c'est très très important quand tu t'entames un régime, et donc la baisse des triglycérides, du LDL cholestérol et du cholestérol total sanguin. Donc voilà, ça agit sur le cholestérol. Donc c'est un truc super important. J'avais jamais pris avant ma diète. Et voilà, je vous le conseille. Ça coûte pas cher aussi, hein, moins de 10 euros. Ouais, je crois que c'est moins de 10 euros. Donc voilà, pour 30 capsules, donc tu en as pour 1 mois. Ensuite, on va continuer. Moi, comme je suis un vieux, il y a encore le prix dessus. J'ai pris chez qui? C'est Eric Favre aussi. Ouais, Eric Favre, c'est le top. Donc, c'est Arthroxine. Voilà, c'est pour les articulations. J'ai souvent quand je reprends la muscu, j'ai souvent des problèmes au niveau des articulations. Je ne sais pas pourquoi, la vieillesse, hein, j'approche de la quarantaine. Et du coup, je me suis pris ça. Il y a encore le prix dessus, donc 26,90, 27 euros. Ce n'est pas donné, mais franchement, c'est utile. Donc, il y a une petite cure. J'en prends un matin, un midi, un soir. Et voilà, ça permet de réduire les inflammations au niveau des articulations. Donc, Arthroxine. Ensuite, on va passer à ce produit aussi, c'est la première fois que j'en prends depuis que je fais de la muscu. Il faut savoir que je fais de la muscu depuis très 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 longtemps, les amis. J'en ai fait toute ma vie, mais on va dire de manière pas de manière régulière. C'est-à-dire que dans l'année, à chaque fois, je fais 2 mois, 3 mois, après j'arrête. Des fois, j'en faisais 6 mois et j'arrêtais. Ensuite, je faisais 8 mois, j'arrêtais. C'est vraiment en dents de scie. C'était un peu comme mon bulletin scolaire à l'école, tu vois, c'était en dents de scie. Quand il fallait que je travaille, ben, je travaillais. Et dès que j'avais la moyenne, eh ben, je baissais un peu le rythme. Donc cela, c'est du GABA. Voilà, du GABA. Le GABA, ça sert à quoi, les amis?
Donc ça stimule la détente, la sédation, la relaxation mentale et physique. Voilà. Et donc il réduit les spasmes et la tonicité musculaire. Donc c'est hyper important les amis. Combien ça coûte? Ça coûte pas cher, une dizaine d'euros aussi. Voilà, ça, il y a 90 tablettes, donc ça fait un mois et demi. Donc t'es large. Pour 8 balles, un mois et demi. Voilà, c'est un petit complément qui je pense qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Bip. Ensuite, il y a des trucs aussi. Ah oui, la vitamine, le multivitamine, la vitamine C. Je vais vous les présenter directement. Ça évite de prendre, je pense, du d'orange de bon matin. T'as ta dose de vitamine C, il en faut de la vitamine C et ça évite d'avoir des carences, tout simplement. Donc, il y a des vitamines de chez Yamamoto. Donc, vitamine C et multivitamine, les amis. Voilà. Donc, comme ça, j'ai aucune carence. Ça permet d'avoir un truc bien équilibré. Ensuite, les amis, il y a des trucs que j'utilisais pas, que je connaissais, mais que j'utilisais pas. Donc, ben, l'huile de noix. J'achète de l'huile de noix que je mets dans mon riz. Donc, c'est pour les. C'est bon pour les. C'est les oméga 3, quoi. Donc, l'huile de noix. L'huile vierge de lin. J'ai été surpris. C'est la première fois que j'en achète, les amis. Je vous le mets là. De l'huile de lin bio. Donc, c'est marqué naturellement riche en oméga 3. Voilà, c'est pareil que. C'est hyper important pour les oméga 3, tout simplement. Par contre, c'est de l'huile de lin. Donc, tu vois une petite fleur. Tu penses que ça a un goût un peu neutre et pas du tout, ça a le goût du poisson aussi. Franchement, donc j'avais mis sur mon poulet et j'avais mon poulet qui avait le goût du poisson. Donc voilà, j'ai découvert l'huile de lin. Voilà, donc l'huile de lin. Et ensuite, je mets toujours l'huile de colza fruité coco. Donc ça, j'en mets vraiment une petite goutte quand je vais faire dorer mon poulet ou mes steaks pour qu'ils ne soient pas trop secs. Donc voilà, c'est bio. Ça par contre on me l'a pas il m'a pas demandé de l'acheter mais franchement il était à côté, il était en promo et je me suis dit ouais vaut mieux prendre de l'huile de coco que prendre de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive c'est vrai que c'est bon, mais c'est pas en grosse quantité c'est pas bon. Voilà. Je voulais vous parler de quoi aussi, donc on va finir la vidéo. Et avant tout, je voulais vous montrer aussi mon pré-workout. C'est l'un des meilleurs aussi, franchement, niveau goût, Eric Favre. Une tuerie, donc ouais, je parle d'Eric Favre à chaque fois, mais j'ai essayé tous ces compléments et à chaque fois, je suis surpris sur la qualité et le goût. Voilà, donc c'est Born Rage d'Eric Favre. Et franchement, le goût, vous savez ce qu'il a le goût de quoi, les amis? Il a le goût du Red Bull non gazeux. Par contre, si tu mets de l'huile, si tu mets de l'eau gazeuse, ça fait un Red Bull, et si tu mets de l'eau, ça a l'odeur et le goût d'un Red Bull, mais sans les bulles. Voilà, franchement, si vous connaissez, voilà, j'utilise ça en pré-workout. Et pour le moment, je l'ai pris qu'une fois, sachant que ça fait 3 jours que j'ai commencé. Donc voilà, je l'ai pris qu'une fois. C'est vraiment quand j'ai pas trop le goût, ça permet d'avoir une meilleure, comment dire, une meilleure concentration et puis d'avoir un petit coup de boost. Et puis même, on va dire, un effet placebo. Tu sais que tu as pris ton pré-workout, tu donnes tout dans la séance et voilà quoi. Donc là, les amis, j'ai pas pris encore mon shaker de prot. Donc la protéine que je voulais vous présenter qui se vend chez Action. Je connais absolument pas, donc je voulais la découvrir avec vous. C'est la whey protéine Body Mass. Elle coûte 10 balles. Il y en a 700 grammes. Et voilà, je voulais vraiment essayer au niveau du goût. Donc il y a 23 shakers. Il y a 80 grammes pour 100 grammes. Donc voilà, c'est de la whey protéine tout simplement. Là, j'ai ma petite bouteille d'eau. J'ai la prot. Donc on va tester ça, les amis. Hop. Déjà, on va sentir l'odeur. L'odeur, vraiment, ça sent. L'odeur, ça sent le bas de gamme. L'odeur, ça sent le bas de gamme. Donc là, la jauge. Hop. On va mettre. On sera fixé, hein. On va mettre 200 millilitres ou 250 millilitres d'eau. Moi, je la prends avec de l'eau. Quand tu es au régime, il vaut mieux la prendre avec de l'eau. Le lait, franchement, tu as des boutons dans le dos et c'est pas très conseillé le lait. Après, je sais pas ce que vous pensez de la question, mais le lait, c'est vrai que c'est onctueux, c'est meilleur, on va dire, ça fait plus milkshake. Mais à la base, le lait, pour moi, c'est fait pour les vaches. C'est pour nourrir les veaux,
C'est pour ça que quand tu bois beaucoup de lait, tu grossis, voilà, c'est pas fait pour l'être humain, je pense, hein. On va dire que, par exemple, le lait de chèvre, il est plus approprié par rapport à la corpulence, tu vois, de l'être humain. Tu vois, on se rapproche plus d'une chèvre que d'un veau, hein, on est d'accord. Donc voilà, les amis, je vais mettre une cuillère. Hop, je la mets dans mon shaker. Et on va secouer tout ça et on va avoir le verdict. Tac, je range là. Je jette ça là, en espérant que je ne vais pas tout jeter à la poubelle. Donc là, je vais vous dire un peu le goût, comment elle se mélange. Après les effets, bon, ben, c'est de la ouais. Hein. Et je vous dirai si j'ai eu la chasse aussi. Donc elle se mélange bien. Elle fait vraiment chocolatée. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux vous montrer ça de là sans renverser? On sent vraiment le chocolat, mais chocolat fort. Donc voilà la texture. Franchement, là, je suis surpris par la texture parce elle se mélange bien. Il n'y a pas l'air d'avoir grumeaux. Hop, on va continuer un peu, checker un peu. Et on va vous donner le verdict. Et ben franchement, elle passe. Vraiment, elle passe. Il n'y a pas de grumeaux. Je vais regoûter, hein. Il n'y a aucun grumeau. Il n'y a aucun grumeau. Le chocolat, il est présent, mais il n'est pas fort. Il n'est pas écœurant. Franchement, ça va. Ça va, franchement, ça va. Non, franchement, non. On va dire que je m'attendais à quelque chose de dégueulasse et je suis agréablement bien surpris. Voilà, donc pour ceux qui veulent acheter ben, leur pot de prot à Action, eh ben, je vous la valide. Voilà, maintenant au niveau de la composition, je vous laisserai regarder vous-même. On n'est pas là pour détailler toutes les prots. La prot, ça reste de la prot. Le meilleur moyen d'avoir de la prot, c'est de manger du poulet, c'est de manger bien, bien comme il faut. Et voilà. Après, un petit shaker de prot de temps en temps, c'est pas de refus. Quand t'as pas le temps aussi, c'est hyper pratique. Mais voilà. Dans l'ensemble, franchement, je suis pas déçu. Elle est super bonne. Et ben, du coup, ben, ça me permettra de finir le pot au lieu de le jeter, comme je fais habituellement. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. J'ai plein de vidéos à faire. Mais quand elles vont sortir, je sais pas du tout. Merci aussi infiniment aux 21 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. On a atteint les 20 000 abonnés, les 21 000 abonnés. Donc plus que 79 pour avoir mon trophée. Je compte sur vous pour partager ma chaîne. Et mettre un petit commentaire et un petit like. C'est ça qui me permet de me référencer. D'avancer et j'espère que j'aurai l'occasion de faire pas mal de feats bientôt. J'ai pas mal de projets aussi donc je m'avance pas trop parce qu'avec le Covid c'est compliqué, mais franchement, il y a du beau qui arrive. Il va y avoir de la passion, il va y avoir tout un tas de trucs qui me tenaient à cœur depuis longtemps que je faisais pas mais que j'ai envie de faire et donc du coup, ben voilà, ben, je vais le faire, c'est tout. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!